Alors, on a le choix entre plusieurs chapeaux ronds rouges. Donc, c'est un peu l'histoire du petit chapeau rond rouge, mais un peu retravaillé, un peu remanié. Ah oui, on a fait une fin. Ouais, je pense qu'on a fini un personnage. Ça, c'est vrai. Alors, ce que je sais du jeu, c'est que bon, chaque personnage a sa propre personnalité. Et à chaque fois, il va y avoir différents événements aléatoires qui vont se dérouler. En fait, on doit partir de chez eux pour aller chez Mergrand, en fait. C'est vraiment l'histoire du chapeau en rouge, hein. Sauf qu'en fait, c'est un petit peu perturbant, voire horrifique, en fait. Il y a beaucoup de psychologie en fait. C'est beaucoup de psychologie et de LSD un peu aussi. Et en fait, dans ce jeu-là, je sais que dans le gameplay, on est puni si on court. Faut marcher en fait. C'est contemplatif comme jeu. Alors, on a le choix entre Ginger, Rose, Scarlett, Ruby, Robin. Ou Carmen. Vous avez le choix. Et qui voulez qu'on commence? Donc je reprends, hein. Ouais, bah à toute Tuck si tu repasses. Ginger, Rose, Scarlett, Ruby, Robin. Ou Carmen. C'est marrant parce que Rubine elle a vraiment la tête d'un personnage de. Vraiment la tête d'un personnage de. Ah! De Shin Megami Tensei. C'est un peu le même style. Je trouve les yeux et tout, le visage. Ginger? Ou Ruby? Ginger? Ou Ruby? Ginger? Ou Ruby? T'as, je sais pas, je l'ai fait chier. Faut une petite animation. Ou Robin. Bon, de toute façon, on va toutes les essayer. Enfin, on va en essayer plusieurs, je pense. Ruby? Bon, bah, je vais lancer Ruby. Et c'est parti. Stay on the path. Donc, le but est très simple, c'est de se perdre, tout simplement. Donc normalement, on devrait rester sur le chemin pour aller chez Mergrand. Mais l'essence du jeu, c'est ne pas forcément suivre le chemin, en fait. Raté. Tac. Je vais me mettre à l'aise, je vais éteindre la lumière et on va se mettre bien. Non, je pense pas qu'elle ait une jambe. Ah, tu penses qu'elle a une jambe de bois? Je sais pas. J'aurais dit ouais, ça peut être une attelle ou. En tout cas, elle a du style quoi. Ouais, non mais non, tu sais, c'est pas une jambe. Merde, putain, c'est pas une jambe de bois, tu sais, c'est.
C'est une aide pour marcher. Est-ce qu'elle a fait un salaire de bois? Non, je pense pas. Elle est trippy, je pense qu'on a vu les mêmes films, mais non, elle a pas joué. Donc on peut courir. Mais vaut mieux pas. Parce que je crois que sinon, je crois que si je cours, la caméra s'éloigne. Voilà, ça fait pas trop. Si la caméra s'éloigne. Et voilà. On entend là. On entendait les battements de son cœur. Et on voyait les trucs qui apparaissaient sur l'écran. En fait, si on fait ça. On se fait. En gros, on a perdu quoi. Oh! Une petite fille? Bonjour, petite fille qui fait la roue. Le monde est une scène. Rien ne sait qu'il semble être. Sauf le néant lui-même. Voilà, une petite réflexion sur la vie. Gratos. Ah, je suis là. Je suis là, juste. Ouais, c'est vrai qu'elle boite, en fait. Ouais, comme Forrest Gump, ouais, c'est ça. Je pense que c'est sa jambe, mais... Ouais. On ressent hein, le Rule of Roses sur PS2. Ouais, c'est un peu les mêmes inspirations. Donc, espèce d'impression sur l'écran, sont les événements, les objets. Une espèce de. Comme si c'était une image imprimée sur la rétine qui restait, quoi. Qui restait imprimée. Un peu quoi avec le clic droit. On va aller vers le son. Petite fille, ne t'enfuis pas. Je suis là. Bonjour. Je pense que je suis le seul au monde à streamer ce jeu. Dans l'histoire de Twitch. Je m'avance. Allez. C'est quoi? C'est des plumes? Voici votre panier. Tous les souvenirs ramassés dans la forêt sont collectés dans votre panier. Encore une victime du pétrole, soulagée de sa souffrance. Si seulement... Ça pouvait m'arriver. Eh, c'est un peu suicidaire, ça. C'est censé être un oiseau avec du pétrole. Enfin, c'est bizarre. Une fleur. Je peux le ramasser. 1 sur 144. Que pas toutes les œuvres. C'est pas demain la veille. Ah, y a un truc qui brille là-bas. Ah bah c'est une deuxième fleur. Allons gambader. Je me méfie quand même du loup parce que le loup est là. Il est là normalement.
contre, on entend les chaînes, moi à chaque fois ça me stresse là. J'ai l'impression qu'on va voir le loup avec des chaînes qui vient me taper la gueule. Ah, la petite fille, j'ai su la petite fille. Où tu vas? Tu prends des arbres et tout. Ah, un objet. Un coffre à trésor. Qu'est-ce que c'est? De l'argent? À quoi ça sert de vouloir quelque chose si on ne peut pas tout avoir? Ok. It's a trap. Par contre, ça va chez vous, ça a pas sauté la capture parce que... Non, ça arrive. Parce que moi, du coup, ça a sauté sur le chat, mais n'hésitez pas à me le dire si ça a sauté. Je vais virer le... Sur l'application, je vais virer la vidéo. Mais j'avoue, c'est un piège, c'est de l'argent. Attends. Comment je rentre dans mon inventaire? Il faut rester à pied. Sur l'espace. D'accord, ça va me le redire à chaque fois. Ça, c'est le chemin vers le loin. Celle-ci. Ah, on voit autre chose. Ou une autre image si on clique dessus. C'est quoi? C'est le plumage d'un pont? C'est bizarre. Une chaise longue. Et à chaque fois que tu cours, t'entends les chaînes. T'entends que tu vas te faire punir. C'est pas un parchemin de boule de feu, malheureusement. Ça aurait été cool. Pour tuer le loup, ça aurait été cool. Il y a un truc là-bas, non? Non, ça doit pas être. Ah, il y a un objet là-bas, non? C'est des fleurs. On va se rapprocher. Ah, finalement, les 144, je vais les avoir si je continue comme ça. À l'époque, quand le jeu il est sorti, il fallait le vendre, hein, avec le pitch et tout. En fait, ce qui est fort en fait dans ce jeu, c'est que c'est féerique. C'est vraiment, ça fait vraiment conte de fées en fait. Un peu ce que fait aussi Rule of Roses. C'est que normalement les contes de fées, c'est pas Disney. C'est toujours une part de glauque et de, il y a toujours une part de quelque chose de bizarre et de glauque ou d'impalpable dans les vrais contes de fées. Et c'est, ça se finit pas forcément bien d'ailleurs. Il y avait pas forcément de morale. Vous regardez les contes des frères Grimm, qui traitent, ça traite du cannibalisme, ça se traite, parce qu'on parle du petit chapeau rouge, donc le cannibalisme, les relations entre le père de famille et ses enfants. Souvent c'est hard. Voir gore, voir glauque. Voici votre parcours.
Maintenant, vous savez où vous êtes allé dans la forêt. À chaque fois que vous aurez parcouru 100 mètres, votre parcours s'affichera. D'accord. Ah, une chaise haute. Sur des roues, l'âme paralysée, nulle part où aller, ville. Ah non, vite, je crois que c'était ville. Je disais, c'est pas sympa à la fin. Ah, tu penses que c'est le loup, la petite fille? C'est possible. J'aime ma musique entachée de noir. C'est ça. Mais finalement, le grand manchot loup, il peut avoir l'apparence qu'il souhaite. J'espère que c'est pas la fin de mon voyage là. J'ai eu peur, je crie qu'il y a Sadako qui allait sortir du puits là d'un seul coup. Je vois qu'il te met un finish. Crise cardiaque. Finish crise cardiaque. Ça va pas être cool. Les fleurs me montreront la voie. J'ai même plus le temps de voir le schéma. j'ai cru qu'elle allait sauter dans le puits, moi. Ou dehors. Non, mais en fait, j'ai appuyé pour l'action, et en fait, il s'est rien passé. Et j'étais comme ça, je me disais, attends. Il se passe rien. Je crois que là, on est sorti de la forêt, là. On est passé le grillage. Ouais, 144, ça fait beaucoup de fleurs. T'as le brouillard qui s'épaississait là. Bah, franchement, à ce rythme-là, ça fait pas tant que ça. Hein. Merde. Bon, une partie, j'en suis déjà 9 sur 144, ça va. Après, je sais pas si ça recope aléatoirement. Mais... La prochaine fois, là, je suis parti sur la gauche. La prochaine fois, je repartirai sur la droite. Je vais essayer de rejoindre le chemin. Chemin de terre, mais alors je suis pas sûr de pouvoir le récupérer. Je me suis bien perdu. Où est-ce que je suis? Je sais même pas où est-ce que je suis. On va tenter de passer par là. Ah, c'est quoi de bruit? On compte une fille? Genre le. J'ai cru entendre la surprise d'une fille, d'une jeune fille. C'était bizarre.
Allons vers le soleil. Les poteaux électriques? Est-ce que je serais retourné sur le chemin? Je sais pas où je suis. Ah non. C'est l'arnaque. Un épouvantail, pas d'oiseaux. Efficace. Si seulement j'en avais un pour tenir les abrutis à l'écart de la question. Ça c'était glauque. J'ai appuyé sur rien, on s'est dirigé. Mais non, c'est pas du tout rassurant l'envers la lumière. Si tu m'offres ta tête, je ferai la fête d'un plat argenté, je te mangerai. C'est bon là ce truc. Ce qui me fait marrer, c'est que ce jeu, je me rends compte maintenant, c'est l'antithèse de Slender. C'est le jeu qui t'invite à te perdre. Ouais, un anti. Ouais, j'avoue, Dartex, il est mort là, il est reparti, il a jamais revenu. Ou sinon, il est émerveillé par le jeu. Il est émerveillé par les images. Il est sans voix, Dartex. Non, c'est vrai, c'est carrément le contraire de Slender, quoi. Slender, on te demande un objectif précis, alors que là, il n'y en a pas vraiment. Tu pourrais juste suivre le chemin de terre, mais ça n'a aucun intérêt. Ah, c'est vrai, il mange, j'ai oublié. Bah, il peut manger devant. Les trippies, et je crois qu'à cette heure-là, il peut manger devant. Salut Fenrir. Le Fenrir, c'est un ninja. Est-ce que tu connais Fenrir le chemin The Path? Ouais, c'est étrange, hein. C'est un jeu francophone en plus. Je crois que c'est belge, hein. À vérifier, la boîte est belge si je me souviens bien. Mais où est-ce que je suis? Là, il monte vite fait avant le chemin que j'ai parcouru, mais je sais pas exactement d'où je suis parti et où est-ce que je vais. Bon, bah voilà. Elle a une jambe. Alors, je pense pas que ce soit une jambe de bois, tu vois, Fenrir. Je pense que c'est plus une espèce d'attelle là. Comme ce qu'on disait par rapport à Forrest Gump, parce qu'elle boite, on dirait que c'est sa jambe, hein, naturelle, mais elle boite en fait. Merde le coup. Est-ce qu'il est écouté? Une fleur là-bas. Vas-y, j'ai pas là. L'autre jambe? Ah! Non, je pense pas, c'est un style. Non, je pense pas. Non, je pense que. C'est juste qu'elle a choisi de pas porter les mêmes vêtements. les mêmes avis. Ah, ça y est, je crois que je vois où je suis. Je suis mieux.
Je crois que je suis complètement au milieu du bois. Je vais plus bouger là. Je crois que le jeu est devenu fou là. Sinon vers la lumière, ça nous a réussi jusque là. Ah, un poste de garde. Oh, il y a quelqu'un Ah ouais. Il y a encore la danseuse étoiles. Alors est-ce que ce serait le loup la danseuse étoiles? Oh, il y a quelqu'un d'autre. Le loup va sortir. Ah. Il y a tant de beauté dans la pourriture. La rouille est plus belle que la peinture. Je ne pense pas que la vieillesse viendra à ma rencontre. Oh putain, c'est lui le loup. On a le choix, soit on l'affronte, soit on se casse. Qu'est-ce qu'on fait? On affronte le loup ou on se casse? Si je me mets à courir, il va me courir après. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le loup, hein? Ça fait aucun doute. Je peux pas ramasser le nounours? Calme-toi, le loup. Reste sur ton banc. On affronte? Ok. Ouais, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Calme-toi, Ruby.
C'est pas comme ça qu'on affronte un loup. De toute façon, c'était l'interaction. On a dit le chemin de croix là. Et elle rentre. Hein. Là, je peux pas accélérer. Hein. Là, vous avez vu là le. Comment c'était violent. C'est là, si vous voulez une pub contre le tabac, il n'y a pas de problème. Hein. Vous demandez à cette boîte-là, elle vous fait une pub contre le tabac. C'est à peine mouru là. La façon qu'elle porte toute la souffrance du monde. À mon avis, à chaque fois, l'apparence du loup est différente selon le personnage qu'on choisit. On est en train de chercher en FPS Mergrand. Mergrand, es-tu là? C'est pas fini, hein. Merde. J'ai quitté le jeu tellement c'est... Ah, on voit les représentations de ce que j'avais vu, c'est ça? Bah, c'est cauchemardesque ce truc. Oh! Oh! J'ai l'impression que comme elle, c'est une adolescente, c'est très. Aussi de ses problèmes. Ouah! Où est l'école? Ah, le symbole du pont! J'ai vu. La cage à oiseaux. La liberté, c'est ça. Ah, c'est écrit les loups sur le terrain. On voit les traces de moto, enfin ou de voiture, non. Si c'est une ruine de moto, c'est bizarre. On s'est fait des Kruger là.
fin du chapitre 1. Donc j'ai collecté 4 sur 13. Pièce spéciale débloquée 2 sur 3. Distance 1313 mètres. On compte avec le loup, oui. Succès. Succès quoi? C'est un succès. Classement C. Vous avez trouvé l'aire de jeu abandonnée. Voilà, une fin. C'était sympa. Ça a mal fini apparemment, mais c'était sympa. C'était sympa. Attendez. On a fait une fin. Ah merde, c'est bizarre. Ça met que je suis pas en ligne. Ah merde. Un Twitch qui déconne encore et qui dit que je suis pas en ligne. Enfin, il n'y a pas de problème. Oh. Ah, ça m'a un petit peu. Wow. Trop d'informations. je propose d'en faire un deuxième. Je propose d'en faire un deuxième. Ouais, elle est géniale l'ambiance du jeu. Hein. Et la fin est déterminée selon ce que t'as trouvé, les objets que t'as trouvé, les choix que tu as fait, même si c'est implicite ou pas. Même si t'as compris les choix que t'avais fait. Non, c'est pas mal. Alors. Moi, je ferais bien Robin. Après, c'est la plus petite. C'est, on va dire, le chapon rouge. Classique, petit chapeau en rouge classique. Je pense que la plus grande ça doit être Carmen. On a encore Scarlett, Rose ou Ginger. Là je ferais bien Robin, mais si vous avez. Il y en a que vous voulez découvrir, de toute façon il n'y a pas de souci. Vous me dites celui que vous voulez découvrir. Je vais prendre un peu d'eau. Je vais choisir le choix entre Ginger, Rose, Scarlett, Carmen ou Robin. Je reviens.
m'a dit. Rose ou Scarlett? Comme tu veux. L'une qui est avec le téléphone et l'autre qui est avec le lapin. Choisis. Vas-y, Noodle, choisis. Mais choisis, hein, sinon c'est moi qui prends. Ok, Scarlett. Salut Aya TV, bienvenue. Allons à la maison de grand-mère, de mère grand. Non, je connaissais déjà, mais j'ai jamais approfondi le jeu à IA TV. Et bah là, c'était l'occasion. Là, je faisais un petit marathon pour mes 30 ans, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Hein. Enfin, là, c'est un jeu qui a été choisi aléatoirement parmi plein de jeux au hasard, donc. C'est le hasard des choses qui fait que je joue à Zepaf. Et bah j'en profite. J'en profite à fond. Bah c'est le stream de tout le monde hein, aujourd'hui. Donc c'est pas la première fois que j'y joue, mais j'ai jamais. J'y joué une ou deux fois, mais sans plus. Sans essayer d'approfondir la chose. Merci, merci Aya TV. On est encore là, bah normalement si Twitch fait pas des siennes, on est encore là jusqu'à 10h du matin. Je pense que vers minuit on. Vers minuit on se fera une petite pause. Et bah après on enchaînera, il y a déjà d'autres jeux qui ont été sélectionnés. Rester sur le chemin, je sais pas. Parce qu'on a déjà testé de rester sur le chemin. C'est vrai que moi ça m'intéresse tellement pas d'aller rester sur le chemin. Je préfère ma perte quoi. C'est pas un objet que je peux ramasser apparemment. C'est Road Chunkal. C'est numéro 14 Chunkal. Profite, c'est The Paf. Donc c'est bah, l'histoire du chaperon rouge et tu interprètes comme tu veux après. Il y a un chaperon rouge, donc là c'est Scarlett. Et alors t'as plusieurs chaperons rouges que tu choisis, si t'as pas vu tout à l'heure, là il y en a plusieurs. Et le but c'est toujours d'aller chez Mère Grand. Et justement, dès le début, on te dit, si tu veux aller chez Mère Grand, tu restes sur le chemin. Mais si tu le souhaites, tu restes pas sur le chemin et tu t'aventures dans la forêt. Et tout à l'heure, on a fait un premier personnage et je suis tombé sur le loup et bah, j'ai eu de la fin avec le loup. J'ai eu une fin.
Je ne comprends pas les gens qui pensent que la nature est magnifique. C'est brouillon et ça sent mauvais. Et ça fait se perdre. Ouais, on boit du champagne aussi à minuit. Ah oui, à minuit direct, hein. On sort la bouteille de champ. Trouver le loup est le but du jeu en quelque sorte, ouais. C'est intéressant aussi de savoir comment représenter le loup pour chaque personnage. Parce qu'ils ont des âges et des pensées différentes. C'est vrai que c'est intéressant. Là, c'est le plus intéressant finalement. Parce qu'aller chez Mergrand. Mais, comme calme. T'inquiète, on t'a vu. Donc, tu vas voir, Chancal, c'est assez poétique et assez artistique le jeu. Tiens, on va aller vers le soleil. Ramasser cette fleur là. J'espère que j'ai pas déjà trouvé le loup. Du camping, c'est quoi ça? Ouais, c'est le 14. Ouais, j'aime bien, moi. Ça change. On était sur deux jeux de plateforme action d'affilée. Donc là, ça fait du bien. Ah! C'est un camping, c'est quoi? Il y a quelqu'un? Certaines personnes sont vraiment... Ils plantent leur tente et s'enfuient. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle se pose plus des questions rationnelles. Elle est vraiment rationnelle. Par rapport au personnage de tout à l'heure. Robin qui était plus... comment dire ça, chaotique. En plus, il y avait le thème de l'handicapé, vu qu'on est tombé sur une chaise roulante. Toujours cette petite fille en filigrane, je sais pas si c'est elle. 15 heures sur ce jeu, sans jamais trouver un seul loup, quel que soit le personnage que j'ai. Je crois que ton sens de rotation est vraiment un peu bidon. Cuit pour... Champagne pour les uns, cuit pour les autres. Et écoute, si tu bois à ma santé, ça change rien. Kazumari. Franchement, ça change rien. Sors ton kir et trinque avec moi à minuit. Sors le Gewürz. Mais je suis toujours demandé en fait si la fille qu'on voit en galerie nous amène pas au loup en fait. Vous êtes surpris. C'était bizarre ça, c'était quoi? C'était des balles ou c'était. C'est quoi par terre? Non, c'est des fleurs. C'est des fleurs. C'est des pétales ou c'est des balles? C'est des balles? C'est bizarre.
Bah, c'est pas forcément une chance parce que moi je trouve ça intéressant justement de tomber sur lui. Bah écoute, Aya TV, bah si on tombe sur le loup, bah on profite. Tu verras. Enfin, on verra ce qui se passe. Je sais pas si on tombera dessus. Je pense qu'à un moment donné, à force de se perdre, on tombe dessus. Ah, elle nous ramène sur la route? D'accord. Une fille en blanc, elle nous ramène sur la route. Ah, c'est le pétrole. Alors, je peux peut-être plus réagir parce que je l'ai déjà fait. L'ai déjà fait dans cette partie, donc c'est pas pour moi le pétrole. L'oiseau plein de pétrole. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un labyrinthe? C'est un labyrinthe qui a été tracé. Ouais, on a des balles, hein. C'était bizarre, hein. Bah, tu m'étonnes que ça serait mieux que... Il y a 6 tombes fraîches. L'une d'elles est vide. Je me demande à qui elle est destinée. Vous êtes pas ce nombre-là, entre sœurs, là? C'est pas le nombre de sœurs, le nombre de tombes? C'est un petit peu tendu. C'est un oiseau mort. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. D'accord. Ah d'accord, c'est un nom. C'est pour ça. Quoi, qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle peut lire les tombes. Non? Attends, celle-là m'intrigue. On peut la lire? Non. C'est la voiture de l'âge de Evo Dead, t'as vu? J'avoue, je viens de rire les références. Je sais pas si c'est la représentation de elle enfant ou c'est une de ses sœurs. Là, il y a un crâne par contre. En fait, c'est la tombe de tout le monde là, de toutes les sœurs là. Non, on voit toujours la même représentation. La même fille. Putain, mais c'est riche là, il y a carrément un cimetière entier là. Essayer de s'enfuir de ce cimetière là. Ça devient glauque.
Putain, je pouvais plus courir. Je peux plus courir, c'est bizarre. Ah, ça y est. Je m'enfuis. Là, je me demande si c'est pas une tombe pour chaque personnage, mais ce qui était étrange, c'est que toutes les tombes qui étaient refermées avaient le même visage. Donc c'était autre chose. Par contre, la tombe verte, on aurait dit que c'était Scarlett version plus jeune. C'est très bizarre. Y'a pas de problème, Termina. Y'a pas de problème. Ça arrive à tout le monde, hein, t'inquiète. Hein. C'est dans l'art que la noblesse de l'humanité s'exprime. Je ne pourrais vivre dans un monde sans. Ah, le loup. Tiens, Aya, c'est pour toi. Voilà le loup. Lui, la forme que tu souhaites. Bah Termina, si t'as pas suivi, bah c'est là le jeu, c'est The Pass. C'est l'histoire du petit chaperon rouge interprété sous LSD. Tout le monde cache son vrai visage, c'est probablement pour le mieux. Ça c'est le masque. Ah bah c'est ça, accès. Calme-toi. Madame, calmez-vous. Elle est possédée là. Je peux plus la diriger. Ah, merde, j'ai traversé le piano. On va aller voir le loup. Pas me parler. Bon bah salut. Ça n'a rien à dire. Bon, il faut que je m'assoie là. Je ne comprends pas les gens qui pensent que la nature est magnifique. Ah, elle se répète.
C'est brouillon et ça sent mauvais. Et ça fait se perdre. Non, j'ai pas l'impression que c'est suffisant de. Je le reverrai. Moi qu'il faille que je porte le masque, mais je crois pas qu'on puisse interagir. On va retenter de lui parler. Je peux pas être plus direct là. C'est vrai que si je commence à me à repartir pour me perdre, j'en ai pour une heure. Bon, ça, tu vois, Aya, c'était le loup, en théorie. Mais il voulait pas de moi. Bon, bah, on va continuer. C'est l'épée du roi Arthur, là. Énorme. Énorme. C'est l'épée du roi Arthur, là. Enfin, le poignard du roi Arthur. Le couteau du roi Arthur. Bonne lame pour couper les légumes. On va revoir le loup pour lui mettre un coup de furin. Fin de l'histoire. Couper les légumes, bien sûr. Ouais, couper les légumes, couper les. T'as coupé plein de choses avec un bon couteau. En plus, c'est pas du tout un. C'est pas du tout l'apparence d'un. Un couteau à légumes. Ah, je suis revenu vers le cimetière, mais c'est impossible! J'ai pu revenir vers le cimetière. C'est impossible. On va essayer de sauter dans la tombe. Donc là, logiquement, elle me montrerait le. Enfin, elle essaierait de me montrer le chemin vers. Vers grand-mère. Mais allons-y, hein, plongeons dedans. Que je vois toujours le même visage. Et
si, on l'a vu, le loup. Et il a... Merde, tu l'as raté. On l'a vu. Mais il a pas voulu de nous. Tu vois. Enfin, il y a un décalage, donc peut-être que... Attends, je regarde. On est où, là? Ouais. Ça a l'air trop tard, quand même. Bah, sauf que chez moi, ça... Merde. C'est pas grave. C'est pas grave, tu verras la VOD. On a vu un deuxième loup, du coup, et bah... C'était bizarre. Une chance en mousse. Bah, y a pas vraiment de sens d'orientation, justement, faut se perdre, en fait. Je pense pas que ce soit lié à ça, c'est juste bon, t'as peut-être pas de chance, mais faut juste se perdre en fait. Bah non, j'ai pas réussi, tu traverses le piano. J'ai essayé, mais ça a pas marché. En fait, on traverse le piano. On peut pas jouer du piano apparemment. Merde le con, je clique à côté. On pouvait pas jouer de piano. Enfin, j'ai pas l'impression. Voilà, si je retombe sur le théâtre, je pète une durite. Non! Je suis retombé sur le théâtre, là? Non. Mais je suis bloqué? Peut-être que je sors de cet axe diabolique, là. Dessus. Ah, mais il est au piano. T'en fuis pas, t'en fuis pas, t'en fuis pas. Voilà, il y a ça, c'est le loup. Du coup, j'ai pas de nouveaux objets. Ouais, je sais pas où ça se voit. Je pense qu'elle a parlé de la nature. Si on en sait. Mais après, c'est au niveau de l'art, donc c'est un peu. Ouais, c'est un peu. Elle a dit la même chose. Minuit une, ouais, je sais. J'ai dit vers minuit. Entre minuit et 1h du matin, c'est vers minuit. Merci. En plus, je crois que mon anniversaire, c'est... vers 21h. Ce soir, vers 21h. C'est sûr. Alors moi, je suis à fond dedans, là. Je vais essayer d'avoir une fin, déjà. Mmh. Merci. Merci Kevin. Je vais au moins essayer d'avoir une fin et après on ouvre le champagne. Tranquille. Je vais courir pour voir. Parce que je sais que c'est bad de courir. Voilà lui qui s'éloigne en fait. Les battements du cœur qui s'accélèrent. Et normalement on voit rien en fait. On peut pas avoir d'événement pour rien avoir. Théorie. Parce que c'est la crise de la trentaine. Merci pour les joyeux anniversaires. En fait, je voudrais finir ma partie, mais je sais pas où aller.
Je suis perdu. J'avoue, je suis vraiment perdu. Encore plus que tout à l'heure. Ouais. Je pensais que vous pouvez ça. Elle est toute seule vers la fleur. C'est très bizarre. Ils sont partout. Cette aiguille n'enverra plus aucune âme perdue vers son destin. Ok. Après une veste, un pull, des sous-vêtements, éparpillés partout. C'est une toile d'araignée là-bas? Il y a une toile d'araignée? Les gens sont tellement primitifs. L'affolement qui te consume, c'est la peur de l'ordre. Voilà, on a eu la maison, ouais. Le maire est grand là. Bon, j'avoue là, rien n'empêche l'autre. Je vais aller me chercher un petit verre de champagne. À tout de suite.
Bon bah. À la vôtre et à la mienne. Si vous avez tous un verre avec quelque chose dedans, bah. On va pouvoir fêter dignement mes 30 ans. Alors. C'est déjà que j'enlève le bouchon. Alors, nous avons un champagne Aeschik Monopole, premier cru, brut. Ça va envoyer. J'espère juste que j'ai paniqué mon bureau. Bon, attention, il était au frais, il va pas. Je pense pas qu'il va nous. Merci, Fenrir. Allez, on fait sauter le champagne. Ah, si. Un petit peu moussé. Ça va. On va juste un peu nettoyer. Ça va, ça. Ça va plus être pire. On va nettoyer un petit peu avant parce que. C'est quand même pas magique. Hein. Hop, on taille quelques gouttes. Tac. Voilà, il a l'air bien. Il a l'air bien, le petit champagne. Hein? Merci du host, Lucie. Là, j'ai fait péter le bouchon, là. J'ai mis quelques gouttes à côté, mais ça va. Je vais bientôt pouvoir le goûter, là, je nettoie juste. Ce qui est tombé à côté. Voilà. Nice. Pas bien. Non, ça va. C'était pas grand-chose. Il a l'air à bonne température, donc ça va être cool. Ouais. Allez, on va le goûter. Ah. Bah écoute, je pense que Lucie, ça va aller.
J'aurais pas besoin de me déco. Parce que là, toutes les fois où je me suis déco, c'est à cause de Twitch. Hein. Qui faisait un peu n'importe quoi. Hop! Voilà, je me sers un vin. Un petit verre de champagne. Tac! Bon bah la vôtre. Merci Vince. L'homme de l'ombre, c'est un ninja Vince. Kamoto, Kamoto la miss. C'est la miss qui vient me voir maintenant. Il y a le chat qui vient me voir là, il y a tout le monde qui vient me voir. Bah, c'est pas la musique la musique du club Dorothée là. Bah, c'est pas la musique de la joie mais bon, en même temps c'est le jeu qui s'y prête. C'est un peu un jeu morose mais bon c'est pas grave. Bon bah je bois en votre honneur à tout le monde, tous ceux qui sont là. Et bah il est très bon. Du coup c'est pas incompatible de boire du champagne en jouant à jeu. C'est pas incompatible. C'est juste que ça va rendre le truc un peu plus fou. Je suis revenu sur le camping, on va aller un peu par là. J'apporte la corde. Non mais je voulais finir la partie là et le problème c'est que ce jeu on sait jamais quand c'est fini. C'est ça le problème. Que je reviens vers le théâtre. Ça me rendrait fou. Là, je suis revenu vers. Alors, on va suivre la fille. Parce qu'en théorie, elle est censée me remontrer le chemin. Enfin. Par qu'elle traverse les murs et qu'elle fait des roues. Montre-moi le chemin. Pour revenir sur la route. Vas-y, je te suis. Ah, Draven, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a pris la main? Bah, ramasser des fleurs. Une forêt au Japon qui se prête bien à ce genre de soirée. Il me ramène sur la route. Ah, merci. J'étais pas si loin que ça finalement de la route.
La mère Anne sur la route de Mergrand. Pas si morose que ça finalement. On va essayer de faire la fin normale sans le loup. Ah d'accord, faut passer par le PNJ pour raccourcir le tout, d'accord. Ah, je m'en doutais. Du moment où tu y touches, ça te remet sur le droit chemin si tu veux revenir. Je pense que c'est pas grave de courir. Ah! Un truc sur le côté là. Il était dévié de mon chemin là. C'est quoi ça? Change de jeu. Ouais, on va changer dans pas longtemps. C'est quoi ça? Bon, je m'éloignerai pas du chemin. Là, on y est. On est chez Mergrand. Finalement, c'est le champagne qui me rendra plus lucide. pour retrouver le chemin. On est fini pas longtemps. Bah, il y a pas longtemps, regarde, tac. Voilà. Hop, on a fini. Moi, je fais pas des promesses électorales, je fais des vraies promesses. Voilà. On finit le deuxième personnage. Mergrand, je suis rentré. Couteau dans la cuisine. En fait, on va visiter tous les objets que j'ai ramassés. Toutes les pièces. Ouais, c'est obscur. Hein. On voit encore le pont là. Quart d'heure. Il y a beaucoup de symboles de pont. Ah, bah j'ai Noodle, j'ai juste pris la main du, tu sais, du PNJ qui danse et elle peut te ramener sur le droit chemin. Oh le loup, il est empaillé. Bonjour grand-mère. Sa photo au-dessus, c'est elle la grand-mère. Ouais, super. Ouais, je kiffe pas trop la déco. 5 objets collectés sur 10. Pièce spéciale débloquée, 1 sur 3. Rencontre avec le loup, non. Ah merde, j'ai raté. Bah, en même temps, le loup il a pas voulu de moi. Comment je fais une rencontre, moi? C'est rencontrer la fille en blanc. Ouais, on a l'impression que c'est elle, ouais. C'était un peu bizarre. Du coup, j'ai raté, ben on peut recommencer. Ok. Et ben du coup, on va passer à autre chose.